Et Funanya, et Zunemebem, les étrangers veulent nuire à ma communauté. Hein? Le gouvernement ne veut rien faire. Igwe. Bonjour mon fils, comment tu vas? Je vais bien, Majesté. Longue vie à vous. Merci, merci. C'est toi qui l'as tué? Oui, Majesté. Oh, t'es un bon chasseur. Est-ce que c'est à vendre? Non, votre Majesté. C'est pas à vendre? Oui. C'est pas grave. Bravo, hein? Ok. Igwe, you live long, you shall live forever. Igwe Udoka, a good man with a good heart. Igwe Chilani Gaba, Ndasili Sisya, Nafaka Zulike, Ndioku Ekusia, Nafaya Zulike. Igwe Udoka, you will live forever. Igwe. Bonjour, votre majesté. Oh, bonjour, ma fille. Comment bien, tu vas? Bien, votre majesté. C'est bien. Longue vie à vous. Longue vie à toi aussi. Je suis heureux. Il y a la paix et la tranquillité dans mon village. Mais t'es venu qui est là? Heureux d'être à la maison. Ah, n'avancez pas, le roi est sur son trône. Il ne faut pas le voir maintenant. Il a une réunion avec les anciens. N'avancez pas, rentrez. Vous me connaissez? Je vous connais, monsieur. Attendez, savez-vous que je suis le prince héritier de ce royaume? Oui, mais vous n'irez nulle part. C'est un ordre d'Igwe. Nous ne vous laisserons pas entrer, il est en réunion. Vous deux, s'il vous plaît, hors de mon chemin. Nulle part. Sinon, je vais vous rentrer dedans. Je vais vous rentrer dedans. Faites-moi passer. Sinon, je vais vous rentrer dedans. Je dis, faites-moi passer. Sinon, je vais vous rentrer dedans. Vous n'irez nulle part. J'ai dit, faites-moi passer. Vous n'irez nulle part. Sinon, je vais vous rentrer dedans. Oui, je vous n'irez nulle part. Comment quelqu'un peut-il être aussi inutile et égoïste et vraiment très méchante à la fois? On ferait mieux de mettre ce chien enragé en cage. Un chien enragé, un vrai chien fou, un vrai chien qui aboie. Un chien enragé? Dans cette concession? Comment? Où ça? C'est à moi que tu demandes? Pourquoi non? Demande-lui. Ah, n'es-tu pas au courant? Un chien qui se retourne pour mordre son maître et jure de détruire sa propre famille. Et quoi? Il est un possédé, un démoniaque, un cabot qui aboie à tue-tête. Hey! Hey, wow! Des vases stériles qui jacassent dans le vide. Êtes-vous capable d'enfanter? La réponse est non. Quoi? Même faire un truc simple. Votre plus simple devoir d'épouse, seulement à jacasser. Vous en êtes incapable. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de vieille bique? Fais attention. Que vas-tu faire? Tu vas faire quoi? Demande-lui. Une femme qui a complètement refusé de bien élever son bon à rien de fils. Vieille bique, laisse-moi te dire ceci. Tu ferais mieux de célébrer très vite ton succès, sorcière. Fais-le vite, fais-le très vite. Car ça durera que peu de temps, sorcière. Sorcière. Ah.
Profites-en bien, ok? Vu que ton imbécile de fils veut tuer le seul homme qui peut nous mettre enceinte et nous donner de bons enfants, obéissants et dignes, dis-le-lui. Ne parle pas de la sorte, Ifoma. Ubuaku, va parler à ton fils Ikenaya. Hé, hey, arrête tes bêtises. J'ai dit arrête ça tout de suite. Va parler à ton fils. Quoi? Comment oses-tu? Qu'est-il arrivé à ta bouche? Ou bien ce truc qui te sert de langue dans ta bouche ne fonctionne plus? Va parler à Ikena. Ikena est notre fils. Notre fils. N'importe quoi, regardez-me-le. Vous quitterez bientôt tout le palais. Oh, Majesté. Comment vous allez? Mon mari. Tu es rentré bientôt? Oui, vous êtes en réunion? J'ai juste voulu leur parler un peu. Oh, super. Mari. Bienvenue, mon roi. Comment était ta vie? Bien. Viens te reposer. Mon mari. Oui, merci beaucoup, merci. Mon mari. C'est gentil. J'ai ton plat préféré. Oui, on y va. Oui. Oh, ma fille, comment vas-tu? Merci, chérie. Oh, ma petite chérie, comment tu vas? Mon mari. Il va bien. Et comment va ton fils? C'est une femme forte. D'accord, allons-y, venez. On va tous à l'intérieur. T'inquiète pas. Venez, entrez. Entrez. Elles arrivent. Oui, entrez. Oh, fiston. Bienvenue. Mon fils, assieds-toi. Je sais que tu veux qu'on discute. Mais j'aimerais que tu saches que tes camarades sont à l'école. Mon fils, tu es censé être à l'école, à étudier en ce moment. Eh bien, père, mes camarades, les gens de mon âge, se font déjà de l'argent. Je te le dis, papa, ils bâtissent leur empire. Oui, c'est ça. Tu sais les étrangers que tu as refusé de recevoir pour la troisième fois aujourd'hui? En fait, papa, ce sont des investisseurs qui sont prêts à amener notre jeunesse au prochain niveau. Mon fils, pourquoi es-tu aussi décidé? Pourquoi es-tu aussi décidé à vendre notre peuple? Pourquoi? J'aimerais que tu saches que ces gens que tu vois, que tu appelles investisseurs, ces gens avec leurs propositions ne sont pas honnêtes. Oh, pas du tout. Je suis sûr de ça. Mon sixième sens me dit qu'ils ont un agenda caché derrière leurs propositions. C'est pour cela, papa, que je ne cesse de te dire que tu es déjà trop âgé pour ce trône. Laisse tomber, papa. Tu deviens sénile avec l'âge, papa. Ces gens, ces investisseurs, ils sont là pour mettre nos jeunes dans le monde du spectacle. Père, nous avons de beaux et magnifiques jeunes. Des talents, mais inexplorés. Père, ceci pourrait nous rapporter une grosse fortune. Des ressources. Ikenaya. C'est pour cela que je te vois toujours comme un gamin. Tu raisonnes comme un gamin. Eh bien, dommage pour toi, j'ai déjà pris ma décision. Et comme je te l'ai déjà dit, ma réponse à ça est et sera toujours non. Non. Très bien, alors. Puis-je t'en réclamer ce qui me revient de droit? Qui est? Le trône, père. Je vois que tu es cinglé. Ça ne tourne pas rond dans ta tête. Alors que ton père est en vie.
en vie et fort. Quelle abomination! Hein? Oh! Ikenaya, maintenant écoute bien. Écoute et attentivement. Je ne cesse de te dire que je suis un arbre. Et toi, t'es qu'une branche. Et pour que tu réussisses, pour que tu brilles dans la vie, pour que tu perces, il faut que tu t'attaches à moi. Malheureusement, tu ne comprends pas encore ces choses-là. Père, le trône, ou alors... Ou quoi? Ou quoi? Amobuam Genano, tu veux déjà grimper sur les arbres, mon petit? C'est vrai que la mort d'un homme ne vient jamais de loin. Mon propre fils, en ma présence alors que je suis encore en vie, réclame mon trône. Les dieux de notre royaume l'en empêcheront. Et donc, très bientôt, nous pourrons inviter les anciens. Oh oui, je suis heureux que ton père ait décidé de se joindre à nous. Oui, mon prince, et surtout le père des Kemi. Vous savez, quand le roi Hidoka l'a destitué, ainsi que les autres membres du conseil, ce fut vraiment un triste événement. Eh bien, peu importe, ne te soucie pas de mon père. Car plein de choses vont changer dans ce royaume quand je prendrai possession du trône. Et ça, c'est pour bientôt. Très, très bientôt. Et cela signifie qu'à partir de maintenant, c'est Igwe. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je suis fier de vous, mon prince. Merci. Je vais retourner comme ça au palais. C'est d'accord. Je vous raccompagne alors. Ok, d'accord. Ton père a pris la bonne décision. Il n'y a personne ici? Igwe. Ah, mes enfants, comment allez-vous? Bien, mon roi. C'est bien. Vous vivez par ici, c'est ça? Oui, votre majesté. Oh, très bien, très bien. Vous êtes notre espoir pour le futur. Vous réussirez dans la vie. Eh bien, je suis venu ici pour visiter deux ou trois personnes. Vous savez, ma routine habituelle. J'ai fait le tour de ma communauté et j'offre des petits présents par-ci. Igwe. Bien vous, Igwe. Merci, merci beaucoup. Il y a quelqu'un par ici? Ah, Igwe. Mon fils, comment vas-tu? Bien. Et toi, bienvenue, ma fille? Majesté. Merci. Merci beaucoup. Où est-ce que tu vis? Je vis ici. Oh, tu vis avec elle? Oui. Oh, très bien. Eh bien, je passais par là, je fais des visites depuis le matin, de maison en maison, voir mon peuple. Et leur donner le peu que j'ai. Ok? Oui, votre majesté. Et comme je ne suis jamais venu ici, j'ai donc décidé de venir vous voir ce matin. Si j'avais su, je serais venu ici quand mes poches étaient remplies d'argent. Donc, veuillez m'excuser, ok? Ok. Merci beaucoup, votre majesté. Merci infiniment. Vous êtes béni. Très bien, voici ce qui me reste dans les poches. Donc, débrouillez-vous avec... Ah, merci. Et tout ça pour nous. Il n'y a pas de quoi, mes merci, enfants. Merci, Igwe. Que Dieu vous bénisse. Le plaisir est pour moi. Merci à vous. Dans quelques jours, je reviendrai encore, d'accord? Merci. Merci beaucoup, votre majesté. Je n'ai jamais vu un roi comme le nôtre. Je t'assure. Hey, cet homme est tellement gentil. Le royaume d'Oua Adana est béni d'avoir un tel roi. Oui. Ah, cet homme est vraiment bon. Nous ne sommes pas comme ceux de la communauté voisine, hein?
Ils ne voient jamais leur roi, hein? Ils parlent encore moins à leur roi, hein? Je ne comprends pas comment on peut mener des hommes comme s'il s'agissait d'esclaves, hein? Oh non, 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 non. Quand tu diriges un peuple, tu es supposé être ami avec eux. Je suis tellement heureuse qu'on n'ait pas ce genre de roi ici. Parce que ce roi, il est tellement bon, il est tellement gentil. Il parcourt le village et donne de la nourriture aux gens, de l'argent et toute autre chose. Ce dont ils ont besoin, hein? Ah, que les dieux soient loués. Il sait. L'argent, si cet argent, je vais aller avec au marché pour acheter. Alors, qu'est-ce que tu veux manger? Non. Je ne veux rien manger. Je veux juste mon argent. Je vais aller boire une bière. Une quoi? Une bière. Donne-moi mon argent. Je vais aller boire une bière. Allez. Igwe. Bienvenue. Longue vie à vous. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Igwe. Oui. Nous sommes venus pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. Le litige foncier s'est réglé en paix. Oh, quelle belle nouvelle. C'est exactement ce que je veux entendre. Igwe. Nous avons apporté ce petit présent. S'il vous plaît, veuillez l'accepter. Wow. Et aussi, votre fille Koli est désormais une infirmière chevronnée. C'est vrai, ça? Je suis sérieuse. Donc, Koli est désormais une infirmière qualifiée? Oui, Igwe. C'est très bien ça. Merci. Merci beaucoup. Je suis très content. Très belle nouvelle. Igwe, longue vie à vous. Merci beaucoup. Vous voyez, mes épouses, voilà pourquoi je ne cesse de vous dire... Je ne cesse de vous dire... qu'un bienfait n'est jamais perdu. Il est toujours bien possible d'être bon. Quand tu fais du bien aux autres, ils reviennent te remercier. Quand les gens viendront vous faire du bien, n'oubliez jamais de les remercier. Même Dieu aime quand on est reconnaissant envers les autres. Merci infiniment. Dis à ma fille de venir me voir. Dis-lui de venir me voir. Je le ferai, Igwe. C'est très bien. Je le ferai. Garde. Votre Majesté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ici. Je vous en prie, Igwe. On va prendre congé. Vous êtes libre maintenant. Merci, votre Merci Majesté. Merci beaucoup. Je te l'avais dit. C'est tellement bien d'être roi. Oh oui. Tellement bien. Oui, c'est ça le produit. De la gentillesse et du bon cœur. C'est déjà rentré? Oui, votre Majesté. Oh, super. Ça fait plaisir. Oh, Kenga. Le grand cueillard de vin de palme. Ça doit être un vin de palme, monsieur Gray. Il est vraiment de bonne qualité. De très bonne qualité. Amène ça dans ma chambre. D'accord, Majesté. Tu as compris? D'accord. Dans ma chambre. Oui, votre Majesté. C'est pour un but. Oui, Majesté. Allez, longue vie à sa Majesté. Igwe Obiama. Majesté. Tu es un grand roi et la lumière de ton peuple. Sois bienvenu. Bienvenue. Merci infiniment. Voici des colas. Sers-toi d'abord. Je te remercie, mon frère. On doit honorer les ancêtres pour que la bénédiction ne cesse de nous surprendre. Ici. Que les ancêtres soient honorés. Ici. On a fait nos rituels avec la cola le matin. On l'a refait. Et c'est la troisième fois. Mais on doit toujours honorer les ancêtres. Oui, très bien. Comme d'habitude. Un guano. Mais cocosé. Comme tu le vois, la cola a répondu à nos prières. Elle a répondu à nos prières. Il Ça veut dire que les dieux de notre royaume nous ont bénis. Angolo Diakam. Akodim. Tiens. Merci. Merci. Merci beaucoup. Tout va bien chez toi, j'espère que tout va bien. Oui, tu as raison. Igwe Udoka. Ok, roi Udoka. Oh, oh, yo. Le roi sage. Ça, tu peux le dire. Je n'ai pas honte de dire cela aujourd'hui. De quoi est-ce que tu parles? Avoir honte dans ma concession? Ici, c'est chez toi ici. Sens-toi libre. La paix a vraiment été restaurée dans mon royaume. Formidable. C'est une bonne chose, c'est super. La tranquillité est totale, en fait. Nous avons suivi tes paroles de sagesse et d'encouragement. Ce n'était pas facile, mais petit à petit, nous y sommes parvenus. Je le savais. Je suis très content pour toi. Merci beaucoup, le sage. Personne ne naît avec les muscles déjà... Personne. Bon, écoute.
Je t'ai dit ceci une fois. Un jeune homme qui comprend et suit les conseils et les encouragements d'une personne expérimentée réussira toujours. Merci. Je suis content que tu écoutes toujours. Merci beaucoup. Et applique bien cela. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Les gens de mon royaume ont réellement accepté de se marier avec les gens du royaume de Wadana, tout comme le royaume d'Atu. Mais quelle merveilleuse nouvelle! Ça, c'est l'unité qui apporte le progrès, le succès. Salut-moi encore. Roi Obioma. Igwe. Écoute, je vais te dire quelque chose. Ok. Akalaka vient du chef Okite. Adiamien Fika. C'est vrai. Adiawota Pia Kocha. Je suis très content pour toi. Tu as fait ma journée. Merci, Majesté. Pas de quoi. Merci. Mais je dois te dire une chose. Honore les ancêtres. Compris? Fais-le. Tiens-toi. Personne ne vient dans ton palais. Les mains vides. Fallait pas te déranger. Je suis donc venu avec du vent de palme. Il ne fallait pas te déranger. Viens avec les choses que nous avons apportées. C'est vraiment gentil. Merci infiniment. Merci. Père! Fiston? Père! Où est-ce que tu vas? Bonsoir, père. Bonsoir. Père. Sincèrement, père, j'en ai marre de te dire que je hais cette honte que tu mets sur cette communauté. Tu es le roi! Du moins, jusqu'à ce que je monte sur le trône. Voyons, père, on ne devait pas te voir avec un truc pareil. Fiston, je mène une vie simple. Une vie très simple. Et mon peuple apprécie cela. Ça m'aide même à rester en forme. Bon, j'ai des responsabilités. Mais père, voyons, va te reposer. Va te reposer. Fiston, par manque de conseils, une nation tombe. Ikenaya, assieds-toi et apprends. Assieds-toi et apprends. Écoute, si tu fais ce qu'ils font, tu tomberas comme ils tombent. Oui, la victoire est acquise par les conseils d'un homme expérimenté. Père, pas aujourd'hui. Pitié, père. Si tu t'en fous de tout, père, prends au moins en considération ce que les gens vont dire de toi. Tu es un roi. Dois-je te le rappeler? Et je dois aussi te rappeler, fiston, que un lion qui dort n'est pas du tout un chien. Écoute, l'antre où se repose un lion exige toujours du respect. Excuse-moi. Père. Non, mais papa. Papa, regarde, tu es trop têtu. T'es têtu plus qu'un âne. Igwe. Malala. Igwe, longue vie. Longue vie à toi, ma reine. Igwe, oui. Les dieux ont décidé d'illuminer en beauté notre merveilleuse famille. T'es sérieuse? Igwe. Dis-moi la nouvelle, de quoi s'agit-il? Pourquoi souris-tu et rayonnes-tu de joie ce matin? Igwe. Oui. Obiagili a accouché d'un mignon bébé garçon. Es-tu sérieuse? Igwe. Eh bien, crie ça partout! Que les dieux, que les dieux de l'air l'entendent! Allons-y! Allons-y! Obina. Oui, mon prince.
Je suis vraiment heureux. Vois-tu, la façon dont ton père et les autres anciens répondent du présent est assez impressionnante. Et je suis très heureux pour cela, Obina. Mon prince, ce n'est vraiment rien du tout. C'est juste pour faire de notre communauté un endroit meilleur. Ah, c'est très bien. Je vous récompenserai, ta famille et toi, grandement. Mon prince, tu peux me croire. Ça sera très gentil de votre part. Ok. Merci. On se revoit plus tard. Je reviendrai vous voir. D'accord, à tout moment, tu es le bienvenu. Prends soin de toi. Merci. Garde. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un garçon. Je te dis que c'est un garçon, un autre prince aîné. Nous ne sommes même pas encore enceintes. Encore moins avoir un garçon ou une fille. Cette femme qu'on vient juste d'emmener dans ce palais est maintenant la mère du nouveau prince. On doit faire quelque chose. Quelque chose doit être fait. Très, très vite. À ton pouvoir. Je sais quoi faire. Bon, écoutez les gars, on n'a vraiment plus beaucoup de temps à perdre. Je sais qu'il y a encore plein de personnes qui arrivent. J'espère que vous êtes prêts pour ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Nous sommes plus que prêts. Vous en êtes sûr? Oui, nous sommes plus que prêts. Ok, écoutez, avant qu'on aille sur le podium, on doit bien sûr faire certains exercices. J'espère me faire comprendre. Pour commencer, vous devez faire des pompes. Bon, allez-y et faites 50 pompes chacun. Allez-y tous, faites des pompes. On y va. Allez-y. Allez-y, baissez-vous. Baissez-vous. Remontez avec moi. Et ce téléphone, regardez-moi, regardez-moi. Passez les pompes. 1. 2. Ta poitrine va vers le bas. 3. 4. Ramène ta poitrine 5, vers le sol. 6. 7. 8. Continue comme ça, fais juste un effort supplémentaire. 10. Ok les gars, maintenant levez-vous. Tu sais que vous tous vous essayez de faire le mieux que vous pouvez. On fait ça pour que votre corps se développe. Et aussi, rassurez-vous d'être assez dégagé. Et aussi, lorsque vous monterez sur le podium, que vous soyez capable de défiler. Rassurez-vous de regarder la foule de gauche à droite. Vous regardez tout droit. Vous mettez les épaules en haut. Vous rentrez. C'est compris? Oui, monsieur. Ok, alors je crois que... C'est quoi encore ton nom? Obina. Ok, fais-moi voir ce que tu peux faire. Fais ceci. Fais 5 pas en défilant. Ok, vas-y. Ok, quand je dis action. D'accord, tu es prêt? Je suis prêt. C'est encore quoi ton nom? Ekene. Ok, tu es prêt? Oui, monsieur. Ok, ok, vous êtes prêt? Je suis prêt. Ok, inspire. 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 Expire. Ok, on y va. Action. Non, reviens. Non, tu t'y prends mal. Hé, montre-lui, montre-lui. On ne fait pas comme ça. C'est pas un repos. Vous avez dit, non, des défis. Non, ok, montre-lui. Prends juste exemple sur moi. Regardez-le juste, d'accord? Tu es mannequin professionnel. D'accord. Ok. Je te calme. Voilà. Voilà. Vous voyez? On soulève les épaules. Vous voyez? Est-ce qu'il faut que je danse aussi? Oui, tu danses. Tu danses. Défiler et soulever les épaules. Non, oui, tu soulèves juste la tête. Tu soulèves les épaules et tu marches. D'accord? La poitrine. Ok, vas-y. Bombée. Ok. Ouais. Avance. C'est pas mal. Continue d'avancer. Ça va venir. Bon, ce n'est pas de votre faute, hein. Vous êtes tous villageois. Avec le temps, ça va aller, ok? Ok, reviens. Tu continues de marcher en imitant du style de la classe. Ekene, monsieur. Oh, Ekene, tu transpires déjà. Wow. Ok, maintenant, prépare-toi. Ok, les filles ne sont toujours pas là. Qu'est-ce qui arrive aux filles du village? Elles arrivent. Ok, d'accord. Très bien, très bien. Ok, allons-y. Ekene, bon, allons-y. Ekene, c'est quoi ton problème? Bon, ok, tu as une très bonne taille. T'as un très gros avantage. Tu vas prendre tout ça au sérieux, car c'est une affaire sérieuse. Ok, avance. C'est vraiment drôle. Allez, Ekene, reviens. C'est quoi cette façon de marcher? Ok, bien. Une salle d'applaudissement pour tout le monde. J'essaie vraiment de faire de mon mieux. Il faut défiler avec les épaules en l'air. Œil de Dieu, à quoi dois-je cette soudaine visite inattendue de ta part au palais?
Un message de Dieu? Mon roi, et tout le monde est mérité comme quoi? Et puis c'est un homme qui compte. Un homme est allé chercher la richesse et la puissance. Le prix était très lourd et pénible. Il a pris un raccourci pour fuir ceux qui le poursuivaient. Tout ça, c'était par amertume. Pour combler un manque, il faut un besoin. Un criquet qui produit de l'huile dans le feu se dit à lui-même, « Ah, je suis productif. » Mais je vous le dis, Igwe, peu importe le nombre d'années, un enfant mort-né est de loin mieux, car il jouit du repos. Mais cet homme marchera dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, son nom sera crié. Œil de Dieu, tu parles et tu parles, mais seulement en parabole. Tu parles des mystères. Peux-tu être plus explicite? Sois un peu plus clair, on veut comprendre. Nous sommes charnels. Igwe. Oui. Faites venir le prince Ikenaya. Mon fils, le prince héritier du royaume d'Umwamana. Les dieux ont parlé. Mon roi, faisons venir le prince pour qu'on puisse entendre la suite. Exactement, Igwe. Je crois que le prince doit être appelé pour savoir exactement le message que le prêtre en chef veut nous faire passer. Et depuis le retour du prince, il se comporte très mal et il agit avec tellement d'agressivité. Je suis dépassée. Tout le monde se plaint de ça dans ce palais. Le prince est tellement arrogant. J'aurais aimé qu'il soit aussi calme et pacifique comme que son père, je t'assure. Ce gars se comporte juste n'importe comment. N'importe comment. Je ne comprends pas du tout ce prince. Je ne sais même pas ce qu'on deviendra si jamais on perdait le roi. Ce sera l'enfer. Hé, hé! De quoi parlez-vous toutes les deux là-bas? Rien. Rien, rien, ma reine. Rien, ma reine. Rien. Et vous êtes encore placée ici? Je t'assure. Allez, retournez à votre poste de travail. Retournez à votre poste de travail. Et toi? Tu étais là à les regarder. Je suis désolée, ma princesse. Je ne prêtais pas attention à ce qu'elle disait. Fais bien ton boulot. Viens, allons-y. Ok. Our king is a liver. He go warm our village. He good man with a good heart. Igwe, you live long, you shall reign forever. Igwe Udoka, a good man with a good heart. Igwe Tilani Gaba. Nda sili sisia, nafaka zulike. Ndiyo kuwe kusia, nafaya zulike. Igwe Udoka, you will live forever. Igwe, Igwe, Igwe Udoka. Igwe Uwoma, tila nige. Igwe, Igwe, Igwe Udoka. Na yubi number one. Igwe. Good king with a good heart. Igwe, Igwe, Igwe Udoka.
Piano bodo kifi wangine ma Tone nye la kabalo wa Fone mela nye lika Iwe udaka Kagiga tianya. Répondez à ma question pour la dernière fois avant que je ne commence à couper les têtes. Qui vous a dit de fermer le portail des quartiers privés qui mènent chez le roi? Qui? Que se passe-t-il ici? Ikenaya. Laissez-nous. Allez, partez, partez. Partez, partez de là. Idiote. Père. Tu es enfermé là-dedans par l'une de ces connes. Ikenaya. Père. C'est sûrement parce que tu n'as pas encore le droit d'y avoir accès. Tu n'as pas encore ce droit. Ikenaya. Mais, tu sais très bien ce qui m'arrivera si tu me vois. Si tu me vois faire le rituel mensuel. Juste parce que tu n'es pas pleinement initié. Totalement initié. J'ai déjà l'âge. Maintenant, que l'initiation commence. Je ne te blâme pas. Je ne cesse de te dire. Ne sois pas pressé dans la vie. Eh bien, le Dibia Kwakite doit nous le confirmer. Et jusque-là, laisse-moi te dire, Ikenaya, ces servantes, les servantes de ce palais, les gardes, me servent moi. Le royaume et tous les intérêts de ce royaume. Non, toi. Pas toi, Ikenaya. On verra. Obere-moi la bien yéno. Et boigasi yike. Je ne cesse de te dire que tu es trop pressé. On verra. On verra. Désolé, père. Je suis vraiment désolé. Pitié, pardonne-moi. Père, désolé. Je suis désolé, pitié, père, pardonne-moi. C'est bon, mon fils, lève-toi, lève-toi. Assieds-toi. Ikenaya. Oui, père. Tu es mon fils. Le prince héritier de ce trône. Personne ne le conteste. Fiston, tu sais que je t'aime. Si je ne t'aime pas, dis-moi qui j'aimerais. En dehors de toi. Eh bien, à dire vrai, je t'ai pardonné il y a longtemps. Oui. Père, je suis prêt à apprendre. Je suis vraiment prêt à apprendre, père. Comme tu l'as toujours voulu. Père, je te promets. Ça suffit. Ikenaya. Père. La force de ma jeunesse. Viens. Viens. Tu es béni. Ici. Tu es béni. Ici. Tu es béni. Ici. Lève-toi. Merci, père. De rien.
Tu as essayé tout ce temps d'être une bonne mère. Mais à chaque fois, je n'ai cessé de te rendre le bien par le mal. Je suis désolé. Punis-moi. Mais pardonne-moi, s'il te plaît. Ikenaya, je t'ai pardonné. Nous t'aimons tous. Je suis heureuse du changement et de la joie que tu as portée dans ce royaume. Récemment, tu auras toujours notre soutien. Continue de regarder le soleil et tu ne seras jamais distrait par les ombres. Jamais. Merci. De rien. Mon fils, suis le scénario. Moi, ta mère, la reine, je suis fermement avec toi. Et je crois que l'esprit de mon défunt père, le grand Dibia Okocha, est avec toi. Toujours. Merci, mère. Mère. Oui, mon fils. Même dans ma prochaine vie, je te choisirai toujours comme ma mère. Et moi aussi. Tu seras toujours mon fils chéri. Merci, maman. Vas-y. Tu vas bien? Je ne vais pas bien. Le prince n'est pas là. T'inquiète, il sera bientôt là, ok? Ah, le prince arrive. Oh. Bienvenue, mon prince. Merci bien. Bienvenue. Comment vas-tu? Je vais bien. Bon après-midi, mon bon prince. Bon après-midi. Eh bien... Ok. Pour les deux dernières semaines, nous sommes allés voir les parents et tout a été arrangé. Ah. Bon travail. Hein? Bon travail. La future reine du royaume. Mon prince, tout se déroule à merveille. Comme prévu. Prince Ikenaya. Ngadide. Prince Ikenaya. Odogo le boss. Prince Ikenaya. Odogo le boss, le multimilliardaire. D'accord. Je dois vous laisser. Le prince diamant. Normie, viens, oui. On y va. Deux valent mieux qu'un. Ça a été une très longue journée. Ikenaya? Oui, père. Ikenaya, mon fils. Père? Les affaires du royaume sont très profondes. Et pour être un bon roi, un bon leader, quand tout le monde dort, reste éveillé. Veille toute la nuit. Quand tout le monde dans le palais s'est endormi, toi réfléchis, planifie encore et encore. Oui, je le vois par moi-même, père. J'étais si immature et gourmand, père. Pardonne-moi, père. J'ai béni mon fils. Et c'est
Tu es béni. Issé. Je suis fier de toi. Merci, père. Je suis fier de toi en tant que fils. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Et tu auras encore plein de choses à apprendre. Et je te promets de tout t'apprendre. Je le ferai aussi longtemps que tu veux t'asseoir et apprendre. Je le ferai, père. C'est très bien. Je t'ai béni, mon fils. Ici. Le bonheur sera ton parfait. Ici. Je dois te laisser maintenant. On va continuer demain. Pas de problème. N'oublie pas. On doit voir Izedibia demain. Oh. Entendu, père. Très bien. Merci, père. Merci pour tout. Tu étais enfermé là-bas par l'une de ces connes. Ikenaya. Père. C'est sûrement parce que tu n'as pas encore le droit d'y avoir accès. Tu n'as pas encore ce droit. Ikenaya. Mais tu sais. Tu sais très bien ce qui m'arrivera si tu me vois. Si tu me vois faire le rituel mensuel. Juste parce que tu n'es pas pleinement initié. Totalement initié. Père, je suis déjà en âge que l'initiation commence. Je ne te blâme pas. Je ne cesse de te dire. Ne sois pas pressé dans la vie. Eh bien, le Dibia Kwakite doit nous le confirmer. Et jusque-là, laisse-moi te dire, Ikenaya, ses servantes, les servantes de ce palais, les gardes, me servent moi. Le royaume et tous les intérêts de ce royaume. Non, toi. Pas toi, Ikenaya. On verra. Obere-moi la bien-yenno. Et boigasi, Ike. Je ne cesse de te dire que tu es trop pressé. On verra. On verra. Tu as essayé tout ce temps d'être une bonne mère. Mais à chaque fois, je n'ai cessé de rendre le bien par le mal. Je suis désolé. Punis-moi. Mais pardonne-moi. Ikenaya. Je t'ai pardonné. Nous t'aimons tous. Je suis heureuse du changement et de la joie que tu as porté dans ce royaume récemment. Tu auras toujours notre soutien. Continue juste à regarder le soleil et tu ne seras jamais distrait par les ombres. Jamais. Merci. De rien. Tu recevras un transfert de ma part? Oui, et perpétuellement, chaque fin de mois. Et tu auras tout cela si tu fais ce que je te demande de faire. Tu resteras aussi dans ce palais en tant que mon épouse, bien que les autres reines devront partir. Mais... Pas de mais. Je serai le roi.
Ta mère est-elle au courant de ça? Ne parle plus jamais de ma mère ici. Bon alors, maintenant, qu'arrivera-t-il aux autres reines? Laisse-moi m'occuper de cela. Au moins, je ferai de toi ma reine. Dans ce cas, j'aurai besoin de temps. J'ai besoin d'y réfléchir. Je te donnerai la réponse demain. Bien sûr, bien sûr. Prends ton temps, réfléchis à ce sujet. Je t'attendrai patiemment. Mais j'ai besoin d'une réponse très vite, aussitôt que possible. D'accord? Dis-moi, pour que je connaisse ta position. Et si je dois plutôt activer mon plan B? Le plan B? Qui est? Le plan B? J'ai juste posé une question décente. Pourquoi il s'en va? Mon roi. Ma chère, je ne sais pas. Mais dis-moi un truc. D'après toi, qui pourrait me cuisiner la meilleure soupe? Bien sûr que moi, mon roi. Tu sais que je suis la meilleure en cuisine. Tu es la meilleure quoi? Ouais. Tu es vraiment très drôle. Comment oses-tu parler quand je n'ai pas encore parlé? Tu prétends cuisiner un plat à mon mari. Peux-tu cuisiner ses mets favoris? La reine-mère n'a pas encore parlé et tu oses parler. Mon roi, c'est moi qui te cuisinerai ce plat. Non, c'est moi qui cuisinerai. Et tu penses mais que reine, c'est ça va, c'est bon. Comme je l'ai dit, moi. Igwe, bonjour. Bonjour. Igwe. Bonjour. Si tu veux manger cette soupe, dis-le-moi. J'irai la cuisiner pour merci, toi. Merci, ma reine. J'en ai vraiment besoin. Je t'en ai besoin. Pas de problème, je te la cuisinerai. Je le cuisinerai moi-même. Hein? Oh, je le ferai. N'importe quoi. Tu ne peux pas cuisiner cette soupe. Est faite avec du gombo et de la viande. Je t'interdis de cuisiner cette soupe avec tes histoires de viande. Oh, merci et toi, beaucoup. Tu es la pire cuisinière que j'ai jamais vue. Tu es juste belle. Tu es belle. Mais pour ce qui est de cuisiner une soupe, ah, c'est une autre histoire. Ma reine, je cuisinerai le repas. Tu as tout à fait raison. Merci beaucoup. Calmons-nous pour voir. Tout à fait raison. Dites-moi, qui parle là? Je ne sais pas. Sachez que c'est moi seule qui le ferai. Bien sûr. C'est bon, sûr. C'est bon. Tu t'es déjà désignée, qu'en est-il dit fille? Qu'en est-il dit for mom? T'inquiète, elle ne le fera jamais. Je la connais très bien. Ma reine. Je ne savais pas que je vous avais tout invité. Que se passe-t-il ici? Rien. On ne fait que discuter. Mais d'où sors-tu? Je croyais que tu étais dans les parages pour nous rejoindre ici. Mon mari. D'où sors-tu? J'étais juste en train de donner des ordres aux servantes. Mais pourquoi? Pourtant, j'étais appelée ici. Je ne savais pas. Je suis surprise de vous voir tous ici. D'accord, d'accord. Mon mari, laisse-moi le temps d'aller me rafraîchir. Ensuite, je vais te rejoindre dans la chambre. Je vais m'occuper de toi. Super. Vas-y, okay. Ok. Je vais dans ma chambre. Et ne me fais pas attendre longtemps. Bien sûr que non. D'accord. Je suis désolé. Pas besoin de t'excuser. Je suis navré. Cet endroit le plus absolu. Il est très normal qu'elle demande à jouir de ses droits. Oui, c'est parce que c'est son jour. Peu importe, elle aurait dû t'attendre dans ta chambre. C'est vrai. T'as raison. Pardonnez ces manières. Et comme je le disais tantôt concernant mon roi,
veux-tu aller cuisiner ta soupe et la manger seule? Au moins, tu ne mourras pas de faim. Exactement. Pas de problème. Vas-y, j'ai compris. Va cuisiner ta soupe et mange-la seule. Awa kingi jali voleva Igwe udoka Igwe wama village yo Igwe du manu awiti gudu hati yo Igwe you live long You shall reign forever Igwe udoka Igwe du manu awiti gudu hati Igwe chilanyi gaba Ndasili sisiya, nafaka zulike Ndiyo kuwe kusiya, nafaya zulike Igwe udoka T'es-tu assuré que personne ne t'a vu? Et même si on m'a vu, n'ai-je pas le droit de causer avec le fils de ma co-épouse? Oui, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, comment ça s'est passé? Mais dis-moi, pourquoi ton visage est-il sombre? Pourquoi mon visage ne serait pas sombre? En ce moment, je me sens comme une criminelle qui attend la mort. Donc, ça veut dire que la mission est accomplie, hein? Ne t'en fais pas. Quand tu commenceras à récolter les fruits de ton labeur, tu peux me croire, tu oublieras tout ce que tu as fait. Je le regrettais déjà, même avant que ça ne commence. Écoute, en réalité... En fait, je... Awa kingi jali voleva Igwe udoka Igwe wama village yo Igwe du manu awiti gudu hati yo Igwe you live long You shall reign forever Igwe udoka Igwe du manu awiti gudu hati Igwe chilanyi gaba Mon fils. Oui, maman. Tu dois t'en aller maintenant par le portail de derrière. Fais exactement comme mon grand-père nous l'a dit. S'il te plaît, ne fais aucune erreur. Le Dibia sera bientôt là. Et je crois que l'esprit de mon grand-père sera toujours avec nous. Ici. Va avec ça. Afome, afome anam, afome na, afobe kwe tiaba. Igwe, je vous salue. Okwe tiaba. Afome anam, afome na. Quand vous le ferez, vous le ferez. Tiedèdre. Amanam ibadro, afome na, ibadro. Iti abadro. Où est le prince Ikenaya? J'ai demandé, où est le prince Ikenaya?
Je ne l'ai pas vu. Il n'est pas encore venu au palais. Ce n'est pas fait. Dieu de nos ancêtres. L'échec est étrange à vos yeux. Vous n'avez jamais échoué. Jamais de la vie. Jamais. Qui est ce lion qui ose essayer? Qui est celui-là qui ose menacer un lion dans son encre? Idiot, tu devrais t'arrêter tant qu'il est encore temps de revenir. Non! Peu importe à quelle force le vent souffle, un roi n'a jamais peur. Et puis, Tiawa, ça ne marchera pas. Et puis, Tiawa, je t'ai servi fidèlement. Je t'ai donné tout mon être. Afin, tout mon être, et puis, Tiawa, je t'ai servi. J'ai confessé mes péchés devant toi. Vas-tu permettre qu'un gamin Viens défier un épée comme moi. Jamais de la vie. Épée Tiaba. Jamais de la vie. Dieu de nos ancêtres, ça ne se passe pas ainsi. Et toi, y'en a un pas. Et toi, y'en a un pas. Afoyaraye. Jamais de la vie. Je suis le fils d'un lion. N'éveille pas un lion. Tiedo. Jamais de la vie. Ijo. Bordo. Ototati. Orotera kananimo. Kakabu, kakaboa. Tango, tango. Kolea. Kolia. Ijo. Ah. Éteins-moi. Ça ne se fait pas. Ijo. Ekikapa. Non. Que vient-il de se passer? Le roi. Hey, viens! Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Une chose terrible se prépare dans ce palais. Peut-être que le roi est mort. Faisons très attention. On va faire attention. Tais-toi. Fais attention. Rentre. Kolia. Tiango, kakapu. Kolia. Okeramo. Kebo, robozo. Ikenaya. Un tas de choses se sont produites en ton absence. Le roi est gravement malade, d'une soudaine maladie qu'on n'arrive pas à déterminer. Ono a envoyé appeler les Tibia, Hong Kong Kitsi, qui a failli être tué en notre présence. Oui, les dieux de nos ancêtres l'ont amené. Et on ignore où il se trouve. Et où est mon père maintenant? Il est à l'intérieur. Père! Pourquoi est-ce que cette soudaine maladie frappe-t-elle notre roi si gentil et si adorable? Pourquoi? Ma chère, je prie pour que rien n'arrive à notre roi. Je prie juste pour que rien n'arrive à notre adorable roi. Je suis d'accord. Si quelque chose arrive au roi, nous sommes foutus. Complètement foutus. Je t'assure. Le pire dans tout ça, c'est que je n'ai nulle part où aller. Si quelque chose par malheur arrivait dans ce palais, je n'ai absolument nulle part où aller. Où est-ce que toutes les dames avaient un endroit où aller? Je n'ai nulle part où aller, oh. Je t'assure. Vous toutes, vous savez comment j'ai été amenée dans ce palais. Comment Igwe m'a choisi et m'a amenée dans ce palais. Je n'ai nulle part où aller. Je vous le dis, mes sœurs. On ferait mieux de commencer à prier. Les filles, on devrait commencer à prier. Immédiatement. On doit faire 21 jours de jeûne et de prière. Au plus vite.
Vraiment. 21 jours de jeûne et de prière, c'est même petit. On devrait faire 40 jours de jeûne à sec. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez-vous toutes retourner à vos postes de travail. D'accord, ma reine. Retournez à vos postes immédiatement. Regardez-les. Mais écoutez-les parler comme les femmes du marché. Mon fils. Ikenaya. Père. Seuls les dieux savent. Actuellement, il est difficile de comprendre. Père, tu as parlé. Tu en as beaucoup trop dit pour une nuit. Et pour ça, je suggère qu'on continue demain. Oui, tu as raison. J'ai encore beaucoup à te dire. Les dieux de nos ancêtres t'aideront. Ici. Bonne nuit, père. Ici. Père. J'y vais, père. Repose-toi bien, père. Oh. Bonne nuit, père. Hein? Igwe Udoka du royaume de Foma, le plus grand d'entre tous. Hey! Le grand Tsiroko est tombé. Comment le Tout-Puissant est tombé? Igwe Udoka, juste comme ça. Igwe Udoka est mort. Hey! Onyeka Igakoro. À qui est-ce que nous allons laisser ce royaume? À ce voyou? À son idiot de fils? Hey! Igwe Udoka. Adieu, mon ami. Ogwejenko, Oma. Comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? Igwe Udoka. Uoma Kingdom, qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Pourquoi est-ce que Igwe nous a-t-il laissés en ce moment? Igwe Udoka. Woko Oma. Moko Bioma. Un homme avec un grand cœur. Qu'allons-nous faire? Comment est-ce qu'il a pu partir sans même me dire quoi que ce soit? Il aurait dû m'appeler. Okienebe. Me dire ce que je dois faire. Comment est-ce que je vais régler ce problème? Hey! Le grand Tsiroko est tombé. Le plus grand d'entre tous. Igwe Udoka du royaume d'Ofuoma. Otwena Nazuna Biala. Wokoma Neme Hyoma. Igwe Udoka, adieu mon ami. Emisemwe Unjenko Oma. C'est dommage. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Nous ne pouvons pas combattre le diable, encore moins Dieu. La mort est une chose nécessaire. Elle touchera tout le monde. Peu importe qui tu es ou à quel point tu es puissant. Regarde Igwe Udoka, le Tout-Puissant. Il est couché. Sans vie. Hey! Igwe Udoka. J'aimerais t'informer que selon notre tradition,
Nous allons pleurer notre roi pendant les 40 prochains jours. Et pendant ces 40 jours, il doit être préservé pur. Ogbake, en tant que première épouse et la reine mère, tu devrais informer les autres reines. Il n'y aura ni querelle, ni lutte dans ce palais pendant cette période de temps. Jusqu'à ce que Onofora Udoka, le plus grand de tous, un digne adieu pour le royaume des esprits. Ono, j'ai une question pour toi. Eh bien, je t'écoute. Que deviendra le trône de mon père? Notre roi, Igwe Udoka, n'est pas encore arrivé au royaume des esprits. Tant qu'on ne lui aura pas offert des honneurs qu'il mérite, aucun homme né d'une femme n'est digne de s'asseoir sur ce trône. Bêtise! Bêtise! Oh non! Mon père est mort. Il est mort. Il ne reviendra plus jamais. Le trône de ce grand royaume ne peut pas rester vide, comme ta tradition le propose. Et s'il arrive que nous sommes envahis par nos ennemis, qui va ? Maintenant, écoute. Écoute-moi bien, jeune homme. Écoute-moi très bien. Notre tradition doit être suivie à la lettre. Et c'est ce que dit la tradition. Et tu n'as pas d'autre choix que de la suivre. Bêtise ! Bêtise, on est où ? Ikenaya. Obuaka, tu devrais parler à ton fils. Tu connais bien les conséquences s'il ose s'asseoir sur ce trône. Onohu, ce n'est encore qu'un gamin. C'est pour cette raison que tu dois lui parler. Tu es sa mère. Tu es sa mère. Parle-lui et fais-lui comprendre ce que dit la tradition. Il pourrait être le prochain roi de ce royaume. Il doit connaître la tradition. Je m'en vais d'ici. Je suis de retour. Je suis de retour. Je suis de retour. Ikenaya. Je suis de retour. Je suis de retour. Oh que oui. Qui est là? Je suis de retour. Ikenaya. Je suis de retour. Mon fils chéri. Je suis là. Mon roi. Je suis là. Je suis de retour. Adoré. Oui, je suis là. Ikenaya. Qu'est-ce qu'on célèbre? C'est mon fils. L'héritier du trône. Odogu. Personne Odogu. Ne me dit, mais qu'est-ce qu'on célèbre? Mon prince, qu'est-ce qu'on célèbre? Donc le prince Ikenaya faisait du trafic de femmes dans cette communauté, Douadana communauté. Il faisait du trafic de femmes sous prétexte de faire un concours de beauté et apporter du développement à nos jeunes filles alors qu'il faisait
il faisait du trafic de femmes. Hey! Les dieux de notre royaume, les dieux de ce royaume vont exposer le prince Ikenaya pour ses mauvaises intentions et les mauvaises choses qu'il fait dans cette communauté. L'héritier du trône de notre communauté. Que fera le prince Ikenaya quand il deviendra le roi? Ça veut dire qu'il ne restera que des hommes dans notre communauté. Dieu de notre royaume, de grâce, expose le prince Ikenaya pour toutes les mauvaises choses qu'il fait. Ça fait déjà plus de mois, depuis le décès de mon père, le roi. Votre époux. C'est pour ça que j'ai organisé cette réunion, pour qu'on discute et qu'on ait une conversation. Et aussi pour vous dire que vos services ne seront plus requis dans cette famille royale. Je veux dire par là que certaines parmi vous vont devoir partir. Ma mère, que voici, est la reine-mère. Et en tant que telle, elle reste. Ifadama est enceinte. Elle porte l'enfant de mon père. Elle reste. Enceinte? Ici? Comment c'est possible? C'est quoi cette question stupide? C'est quoi cette question stupide? Es-tu sourde? N'entends-tu pas le roi? Vais-je rester, mon roi? Mon fils n'a que 2 ans. Mba, tu pars. Tu ne restes pas ici. Tu as entendu ma mère. Ta reine-mère. Tu vas partir. Ikenaya, je suppose que tu plaisantes. En ce qui me concerne, je suis toujours la reine-mère de ce... Excuse-moi, comment oses-tu parler lorsque mon fils parle encore? Le futur roi. Comment oses-tu? Ikenaya, tu es sûre de ne pas avoir une maladie qui doit être soignée? As-tu perdu la tête? Tu dois être stupide de questionner ton roi. Es-tu sourde? Oh, Opankiti, le Dibia, que les dieux bénissent ton âme comme tu reposes en toute paix. C'est compris. Maintenant, peux-tu te lever et quitter ce palais? Chouchou! Ne laisse surtout rien. Chouchou, chouchou. Tu t'en vas? Mba, pas du tout. Elle reste. Ma décision est irrévocable. Maman? Maman? Maman. Maman, je t'appelle et tu ne réponds pas. As-tu un problème? Qu'est-ce qui te cracasse? Ma fille, il n'y a aucun problème. Ça va, je vais bien. J'étais juste en train de repenser à mon obédiqué, ton père. Pauvre, oui, mais tellement pacifique. Même après sa mort, je jouis toujours de la paix dans mon mariage. Tu t'es mariée dans l'opulence. Mais regarde la fin. Tu n'as rien du tout. Maintenant, j'ai 2 bouches à nourrir. Je suis vraiment désolée, maman. On ira chercher un autre endroit pour vivre, d'accord? D'accord? Non. Ça, jamais de la vie. Comment est-ce que je peux laisser ma fille et mon unique petit-fils partir de la maison juste comme ça? Jamais. Ça n'arrivera pas. Je me souviens que j'ai une parcelle de terrain et personne ne pourra m'empêcher de la vendre ou alors d'en faire ce que je veux. Mbamba, mais t'auras pas besoin de la vendre, Biko, hein? C'est l'unique champ que tu as. Mais oui. C'est le seul champ que tu as, et hein, alors? Biko? Ne le vends pas. Je peux la vendre ou alors, je ne sais pas, la louer à quelqu'un et on utilisera l'argent pour faire tout ce qu'on veut.
ou alors partir d'ici. Mais écoute, nous allons cultiver ce terrain. S'il te plaît, ne le vends pas. Tu comprends? Tu en es sûre? Ouais. Mais dis-moi, que fais-tu encore dans ce palais? Toutes tes quipous sont parties depuis longtemps. Est-ce que tu sais que je peux me servir ta tête dans un plat pour avoir désobéi à mes ordres? Mon prince. Roi. Mon roi. Mon fils est le prince de ce royaume. Et il n'a aucun autre endroit où rester, en dehors d'ici. Femme du défunt roi, dis-moi, où veux-tu en venir? Mon père est décédé. Épouse d'Ondoka, dis-moi, où est-ce que tu veux en venir? Ma mère est une pauvre et vieille paysanne. Ma famille est très pauvre et nous ne pouvons pas nourrir ces jeunes garçons. Tu peux les laisser avec les servantes. Non! Je ne peux pas le laisser avec les servantes. Dans ce cas, tu as 24 heures pour quitter ce palais. Si, après ces 24 heures, tu es encore dans ce palais, je vais te tuer et en finir avec lui aussi. Je n'ai pas peur de toi. Tu ne peux tuer personne. Mais on s'en va. Allons-nous-en. Dehors! J'ai dit dehors! Enferme-le là-bas pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il me dise ce qu'il faisait avec ma mère! Dégage! Dégage! 3 bons jours! Oui, maman. S'il te plaît, viens. Maman? Obidike Inkem. Ton père m'avait une fois parlé d'un grand voyant. À Isikelesi. C'était un membre fier de notre famille. J'ai pensé qu'on pourrait aller le voir pour lui poser des questions. Ah, maman,
Maman est bien quoi? Arrête de t'inquiéter autant. Hein? Maman, écoute. Tout finira par s'arranger. Quand? Okay? Tout finira par s'arranger quand? Ce sera après 10 ans? Écoute, ton fils commencera bientôt à poser des questions. Et moi, je ne suis prête à répondre à aucune de ces questions. C'est un prince. Le sang royal coule dans ses veines. Oh, ok, d'accord. Alors, quand irons-nous chercher ce voyant? On y va demain. Tu ne m'as pas entendu? Demain? Oui, on y va demain. On y va demain. Mon Dieu, aussitôt. Maman, laisse-moi aller finir oui, cette parcelle. Vas-y. Maman, ça va, repose-toi. Ça va. Je peux le ressentir. Oui. Je peux le voir. Et je peux l'entendre. Je suis très content de cela. Le jour de mon repos est déjà très proche. Comme de l'eau dans un bol blanc. Au secours! Au secours! Ma tête! Ma tête! J'ai tellement espéré ce jour. Le jour de ma mort est passé il y a 3 ans. Et je remercie les dieux. La porte est finalement ouverte. Bienvenue à Bogidi, le grand roi. Le peuple d'Uoma va expérimenter la joie ainsi que la paix à venir. Igwe, mon roi. Je vais partir maintenant. Amenez-le chez son peuple avant qu'il ne soit trop tard. D'accord, grand voyant. Allez-y maintenant. Grand voyant, vous voulez dire qu'on peut partir? Oui. Allez-y. Merci. Merci, grand voyant. Merci.
mon fils. Ton grand-père, le plus grand d'Ibia, Diporu, m'a donné ce remède pour te le donner. Alors lève-toi, mon fils, et humilie nos ennemis. Aide-le à se lever pour boire le remède. Ah! C'est bon, c'est bon. Ça va aller, ça va aller. Fais un effort, fais un effort. Bois-le. Maman, allons-y, allons-y. Dépêchons-nous. Que les dieux soient loués. Loués pourquoi? Ah, Amaka, si seulement tu avais vu la reine d'Ifadana, c'est la grande et puissante reine de ce royaume, la seule et unique reine d'Ifadana de ce royaume. Hein? Ça confessait sur la place du marché. Tu es sérieuse? Fallait voir la façon dont elle pleurait. Mon cher peuple, pardonnez-moi, je suis désolée. Qu'elle a tué son propre mari, Igwe. Hey, tu es sérieuse? Vous me connaissez, non? Que les dieux lui pardonnent. Je ne sais pas ce que mes yeux n'ont pas vu. Que les dieux lui pardonnent. Hey! Que les dieux lui pardonnent. Je savais. Je savais qu'il y a un truc de louche chez la reine Ifadana. Bon, je suis accompagnée. Mm-hmm. Le roi partageait l'argent ce jour-là. Mm-hmm. J'ai donc voulu aller prendre ma part. Bien sûr, bien sûr. Je suis allée au palais pour prendre ma part. J'ai rencontré la reine Ifadana. La façon dont cette femme m'insultait. Hey! Cette femme a failli me tuer. J'ai dû fuir pour sauver ma vie. Hey! Je ne savais pas que cette femme était aussi méchante. Je ne savais pas qu'elle était aussi mauvaise. La reine Ifidana est très méchante. Elle est sainte. Tout le monde dans ce village se plaint de cette femme. Est-ce que tu sais que l'autre jour, ma maman m'a envoyée au marché pour aller acheter du poisson? Sur mon chemin, je suis tombée sur elle. J'étais genre... Bonsoir, reine Ifioba, sa majesté royale. Elle m'a regardée de haut en bas. Hey! Et elle était genre... Bonsoir. J'ai dit, qui suis-je? Villageoise que je suis. Ma mère est-elle une reine? J'étais genre, ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Une entière reine Ifioma, reine de ce royaume. Hein? Qui pouvait imaginer que cette femme était méchante et sans cœur au point de tuer notre Igwe? Notre Igwe qui était si gentil, un homme si humble. Je ne pourrais jamais imaginer que ça pourrait arriver. Seulement, je n'imaginais pas. Dans tous les cas, je ne suis pas surprise. Amaka, je ne suis pas surprise. Seulement son attitude montre à quel point elle est capable de faire n'importe quoi. Aluti, j'aurais aimé que tu sois là. Il fallait voir comme elle pleurait comme un bébé. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Mes anciens, je vous en prie, mes anciens. Ah! Aluti, ne t'en fais pas, Alus. Tu sais, ma maman m'envoyait d'aller chez Mama et Boubé. Peut-être le soir ou plus tard, je vais te raconter. J'espère qu'elle n'a pas survécu. Que le tonnerre, le tonnerre la frappe instantanément Ozubo. Et qu'elle meure. Ozubo, tout le monde, pam, 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 pam. Je l'ai passé. Ne vous en faites pas, je laisserai plus tard. Je reviendrai plus tard. Je reviendrai, ne vous en faites pas. Je vais continuer l'histoire. Bye. Mère, dis-moi que ce n'est pas vrai. L'homme qui se tient là,
c'est ton géniteur. Ça a commencé quelques années après mon mariage. Igwe Udoka, ton père, je n'arrivais pas à lui donner un enfant. Our king shall live forever. Bonjour, Majesté. Bonjour. Otima, viens, oui, s'il te plaît. S'il te plaît, va dans ma chambre et attends-moi là-bas, j'arrive. D'accord, ma reine. Otima. Oui, ma reine. Bois ton verre. Sens-toi libre. Ta reine est contente. N'es-tu pas content que je sois enceinte? Hein? En tout cas, je t'ai appelée ici pour te remercier pour ce boulot bien fait. Je t'en suis reconnaissante. Et n'hésite pas à revenir dans ce palais chaque fois que tu auras besoin de quelque chose. Appelle-moi. Et s'il te plaît, surtout, ne fais savoir à quiconque que tu viens ici. Ok? Et souviens-toi, ce futur bébé appartient au roi Udoka. Je ne veux pas entendre ailleurs que nous avons quoi que ce soit en commun, s'il te plaît. Je te promets de prendre soin de toi, tout ce que tu veux. Je promets de te le donner. De grâce. De grâce. Bois ton verre. Mais sens-toi libre. Mets-toi à l'aise. Otima a quitté le palais sans mon consentement. Je prie que ce secret ne sorte pas de ce palais. Sinon, je serai dans un gros merdier. Eh bien, en attendant, je profite de mon mariage. Oui. Igwe Udoka était quelqu'un de bien. Je n'ai pas pu supporter le tort que je lui ai causé. C'est ça qui m'a fait fuir. Je me suis marié depuis quelques années maintenant. Et j'ai pas pu avoir d'enfant.
Et on m'a dit de venir chercher mon fils. C'est pourquoi je suis venu réparer mes torts. Maman? Mais de quoi est-ce qu'il parle? Il dit ce qu'il essaie de dire, c'est que c'est ce qu'il dit, c'est que il est ton père biologique. Mon fils, suis le scénario. Moi, ta mère, la reine, je suis fermement avec toi. Et je crois que l'esprit de mon défunt père, le grand Dibia Okocha, est avec toi. Toujours. Merci, mère. Mère? Oui, mon fils. Même dans ma prochaine vie, je te choisirai toujours comme ma mère. Et moi aussi. Tu seras toujours mon fils chéri. Vas-y. Onowu, c'est ce qui s'est passé. Tu n'es pas sérieux. Hey! Si tu n'étais pas la troisième personne à me le dire, je ne l'aurais pas cru. Owaru, oui. Comment est-ce qu'Owaru a conspiré avec Ikenaya et Ifoma pour tuer le roi? Ils ont même chassé toutes les autres reines du palais. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive à Ogbaku? Ogbaku, la reine-mère. Une femme que Gwe Udoka a épousée lorsqu'elle n'était encore rien. Ado, attends. Tu es en train de me dire que Ikena n'est pas le fils biologique de Igwe Udoka? Ogbaku l'a confessé? Oui. Pas étonnant, je l'avais dit. Il ne s'est jamais comporté comme quelqu'un qui est issu d'une famille royale. Oui, t'as raison. Il ne s'est jamais comporté comme quelqu'un qui est de lignée royale. Il se comportait toujours comme un garçon de la rue. Oui, je connaissais très bien Igwe Udoka. Et je connais sa famille. Je connais leur caractère. Ce sont de bonnes personnes. Très nobles. D'un grand cœur. Mais regarde un peu ce garçon Ikenaya. Un voyou. Causant les problèmes un peu partout. Causant le chaos un peu partout. Ça ne m'étonne pas. Ifoma aussi. Ifoma avec eux, dans tout ceci. Comment est-ce qu'ils ont pu faire un complot pareil? À quoi est-ce qu'ils pensaient? Hey! Oui, Dieu de notre royaume. Dieu de nos ancêtres. Merci d'avoir révélé tout ceci, de nous avoir révélé ceci. Si ce n'étaient les dieux, ils s'en seraient tirés à bon compte. Et personne n'allait être au courant. Hey! Mon problème maintenant, c'est que personne ne sait absolument où se trouve le jeune prince. Personne ne sait. Mais je sais que les dieux qui nous ont révélé tout ceci vont certainement le ramener. Ils le retrouveront et vont le ramener dans ce royaume. Oui. Oui. Ha! Igwe Udoka Wokoma, le grand roi se retourne dans sa tombe. Oui. Lorsqu'il voit sa famille devenir ainsi. Bien. On dit dans mon peuple, quiconque ramasse un bois infesté de fourmis va lui-même chercher ses problèmes. J'ai prévenu Udoka qu'épouser les femmes à gauche et à droite n'était pas bien et que la polygamie n'apporte jamais la paix dans une famille. Maintenant, regarde aujourd'hui. Sa femme et ses enfants l'ont tué. Ah! Bien. Nos dieux, nous laissons tout entre vos mains. Imagine un peu ça. Ubuaku,
sachant très bien que Ikenaya n'est pas du tout le fils biologique d'Igwe, a conspiré avec lui pour tuer l'Igwe, afin qu'il s'asseye sur le trône. Mais regarde un peu. Ce que nous planifions n'est pas toujours ce que nous obtenons. Bien sûr. Les dieux sont plus sages. Oui. Les dieux sont plus sages. Ce que nous ne savons pas, ils le savent. Nous sommes dans l'ignorance. Et on ne savait pas qu'Ikenaya n'était pas du tout le fils biologique du roi. Mais les dieux le savaient. Voilà pourquoi ils ont renversé la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Puisse leur nom être glorifié. Il y a de l'espoir. Oui. Il y a de l'espoir. Et nous savons qu'ils ne vont jamais nous abandonner. Ils seront toujours avec nous. Ils contrôleront les choses pour nous. Mon fils, il n'y a pas de problème. Oui. Nous savons quoi faire, hein? Okay. Merci de m'avoir donné ces informations. D'accord? Merci beaucoup. D'accord. Je te verrai plus tard. À plus tard. Notre roi. Notre roi de retour. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ouais. Ah oui, ah oui, ah. C'est lui. Hey. 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 Oh. Hey. Igwe. Igwe. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Notre roi est de retour. Ouais. Oui. Abatago de retour. Et vous savez quoi? La paix et l'unité sont de retour. La paix et l'unité sont de retour. La paix et l'unité sont de retour. Lalogwan, bien, bien, Lalogwan. Oh yeah. Allez, vas-y, Jean. Allez, vas-y, Jean, plus fort. Plus fort. L'envie au roi. 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 Hey. L'envie. Langue vieux roi, langue vieux roi. Non. Langue vieux roi, langue vieux roi. Sois le bienvenu. Hey. Bienvenue. Igwe. Igwe. Adana, regarde comment tu brilles. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Ludi, quel secret. Elle est sexy. Toi qui es censée être chez toi, regarde comment tu brilles. Merci, oh, merci, oh. Une autre nouvelle. Voilà. Regarde comment c'est. Vous ne m'avez pas entendu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Attends, c'est tout le temps que tu entends des choses. Tu entends ceci, tu entends cela. Radio, radio sans batterie. Et c'est le papier journal du village ici. Radio internationale. Alors, c'est quoi ça? Balance. Vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Vous vivez dans ce village. Et vous ignorez ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hey! Attends, si tu demandes ce qui se passe, comme si tu ignores qui est devant nous. N'est-ce pas Adana, notre journal international du village? Tu as bien raison, c'est notre tu as bien local, raison. La radio sans batterie. Alors, dis-nous la nouvelle. Bon, bon, bon. Demain, c'est le jeu du couronnement. Ah! C'est vrai? Ma mère m'a parlé de ça hier. Et moi, Adana, je vais aller danser. En fait, ma mère m'a acheté une très belle robe. Vous deux, vous êtes en fait, tellement contente ma mère de ce m'a couronnement. Une très N'êtes-vous belle pas robe. Contente de la paix qui a été restaurée dans cette communauté?
N'êtes-vous pas fier que la paix a été restaurée, que l'unité a été restaurée dans cette communauté? Réjouissez-vous plutôt de cette paix qui a été restaurée dans cette communauté. Ah oui. On dirait que ça ne vous intéresse pas. Seulement le couronnement. Regarde qui parle. Attends. Laisse-moi te dire. Tu vois ce couronnement? Je serai là-bas, en live. La paix a été restaurée. En tant que Kionowu, la prêtresse. Vous, vous aimez quand il y a les problèmes. Alors, ma chérie, quand il y a la paix. Ma chérie, demain, tu vas me voir. Hé, je te crois. Vous allez me voir demain, avec mes habits. Vous allez me voir demain. Oh, je te crois. Elle est folle. Écoute, tu sais que la fille que tu vois là, elle est très sexy et très belle. Hey, quand tu vas me voir demain, je te dis, ce n'est que vous deux qui irez à cette fête. Attends de voir. Moi aussi, je serai à cette fête. On ne voit pas les personnes courtes. Comme je disais... Alushi, tu es plus grande que moi. Toutes les deux, pourquoi vous essayez toujours de m'intimider? Je ne sais pas. Arrêtez pourquoi les ça. Filles courtes sont toujours... Franchement, regarde, si tu es grande. Très terrible. Comme si tu es grande de taille. Écoute, rassure-toi d'être laissez-moi sexy. Aussi parler. On doit attraper de gros poissons. Oui, ma copine, c'est ça. On sera super belle. Je ne viendrai plus. Je ne viendrai plus avec vous. C'est bon. Oh, le tien, je vais te laisser ici. On se voit demain, là. Allez, allons-y. Bye-bye. Tu ne viens plus avec moi. Non, non, non. Allez, viens. Viens, je te dérange, viens. Oh, Magina Kwanu. Kwanu. Yen. Wan. Kwesuwe. Aujourd'hui est un jour de joie dans le royaume de Wama. Nous avons perdu notre roi, Igweudoka Ier. Mais aujourd'hui, les dieux l'ont fait pour nous. Et le prince est de retour au royaume de Wama. Le prince sera couronné ce jour comme le nouveau roi du royaume de Wama. Et par les pouvoirs qui me sont conférés en tant que l'honneur de ce royaume, je le guiderai jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge. Igwe, je me prosterne. Tout le monde, Igwe! Musique! Danseurs, sortez-nous vos meilleurs pistes! Thank you.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Oh, yeah, team.